Au centre sorti donc j'ai pas compris. Lorsque tu voulais manifester sa puissance envers le peuple de Dieu, au même dès la création, il avait nous montré la puissance de parole. Amen. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au commencement était la parole. La parole est Dieu avec nous. Amen. Et verset plus bas, il dit, et la parole, verset 14, et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous l'avons contemplé, sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venant du Père. La puissance de la parole. Amen. Seigneur Jésus, nous prions pour que la parole de Dieu soit répandue, Seigneur Jésus, sur toute la terre. Sois dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia, alléluia. Amen, Seigneur, mes frères et sœurs. La parole de Dieu. Il n'y a pas trop longtemps que j'étais appelé vers l'île de malade, un malade américain. Et là, je voyais en cet homme, celui que je connaissais auparavant comme un jeune homme, un plus jeune. Amen. Mais cette fois, lorsque je voyais cet homme, c'était la dernière fois que je le voyais avant qu'il est mort. C'était à l'hôpital Ménard. Et lorsque j'étais avec lui, amen, finalement, il n'a pas reconnu mon visage. Mais après, pour moi, il a dit, ah oui, je vous connais. Il m'a dit, vous êtes pasteur et vous êtes consul. J'ai dit, oui, c'est moi. Il a dit, monsieur, il a été prêt pendant plusieurs années. Il a resté ici quelques années avant de mourir. Et quelle parole différente qu'on entend sortir de bouche de prêtre, c'est prêtre. Amen. Il a dit, chaque fois que vous tenez la Bible près de toi, amen, vous recevrez une force du Seigneur. C'est vraiment le fait de mettre la Bible près de moi. Il m'a encouragé. C'était la dernière chose qu'il m'a dit avant de partir. Donc, il a vécu quelques jours après, mais il est parti. Et puis, il a dit, la parole de Dieu, la Bible est la parole de Dieu. Amen. S'il a dit cela, étant prêtre, je ne dois pas minimiser que Dieu a mis sa parole dans la bouche de cette prêtre pour moi. Amen. Amen. Ça, il y a, si vous examinez bien, des choses n'arrivent pas seulement par hasard. Amen. Mais je crois que Dieu peut parler à travers de presque n'importe quelle personne. Amen. Pour m'amener près de lui. Alléluia. Un bon exemple, un mauvais exemple. Amen. Vous connaissez bien que combien de manger du poisson, levez vos mains si vous aimez manger du poisson. Amen. Presque tout le monde, c'est le sang, n'est pas tout le poisson. Amen. Mais vous ne mangez pas tout le poisson, n'est-ce pas vrai? Vous ne pouvez pas manger tout le poisson. Il y a ce qu'on appelle écaille. Les écailles de poisson ne sont pas tellement délicieux. Amen. Mais les os aussi, les arêtes de poisson, vous ne pouvez pas les manger. Amen. Alors, mais vous gardez la chair de poisson, n'est-ce pas vrai? Et vous la consommez, le dorade. Combien mangez les dorades? Levez vos mains, hein, dorade. Amen. Amen. Oh, je pourrais manger un pile de dorade. Amen. Il n'y a pas tellement de carbohydrates dans les dorades. Amen. Je peux manger ça beaucoup. Amen. Avec le beurre est bon pour les dorades aussi. Mais frère et soeur, je vous dis que pas toute chose dans la vie est bon. Amen. Comment il peut dire ça? Alléluia. C'est-à-dire que tu as mis un poisson. Mais un enfant de Dieu doit savoir comment retirer ce qui est bon. Amen. Alors, ce prêtre m'a dit quelque chose qui était bon. Amen. Mais pas toutes les choses qu'il a dit dans sa vie est bon. Amen. Mais j'ai retiré un morceau de viande pour ma vie spirituelle. Et ça va avec la méditation de ce soir pour dire la parole de Dieu est puissante. Amen. La parole de Dieu est puissante. L'enfant de Dieu doit mettre plus que de valeur dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Encore avec moi, Hébreux chapitre 4, verset 12. Amen. Car la parole de Dieu est vivante, efficace,
plus tranchant qu'une épée quelconque, à tout tranchant, pénétrant, jusqu'au partager. Amen. Le partager l'âme et l'esprit jointes et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu est puissante, efficace. Amen. Et là, Dieu voulait montrer sa puissance au monde. Il a pris. Et la parole est devenue chair en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est chair. Amen. Pouvez-vous dire alléluia? Alléluia. Alors, ce que Dieu a destiné pour notre bien-être, la parole de Dieu, amen, on doit savoir et connaître et vivre et mémoriser, prier, méditer la parole de Dieu, étudier la parole de Dieu. Amen. Sans la parole de Dieu, l'enfant de Dieu ne peut pas vaincre, il ne peut pas montrer, il ne peut pas devenir ce que Dieu veut qu'il soit. Sans la parole de Dieu. Pouvez-vous dire alléluia. Alléluia. Mais en parlant de cela, Dieu nous a montré que ce n'est pas simplement sa parole qui est en puissance, mais nos paroles aussi ont une puissance. Nos paroles ont une puissance. Pouvez-vous dire alléluia. Alléluia. Ce qu'on vous dit a une puissance. Amen. Là, un petit garçon à l'église, dans une école aux États-Unis, et là, ce garçon était zéro, il était nul. Et là, on a mis dans la classe un ordinateur. Et lorsqu'on a mis dans l'ordinateur, dans son école, il a pris un amour pour cet ordinateur. Il aimait l'ordinateur. Et là, sa note sur l'ordinateur dépassait les autres personnes de la classe. Et puis tous les autres élèves aussi, amen. Tous les autres études ont commencé à prendre une amélioration. Amen. Et puis on a dit, mais pourquoi vous avez changé? Il a dit, regarde, il a dit, l'ordinateur m'appelle Clarence, son prénom. Les autres élèves m'appellent stupide. Ah, une parole d'ordinateur, Clarence, avait la puissance dans sa vie de transformer son attitude. Alléluia. Il a dit, les autres élèves m'appellent stupide. Imbécile. Amen. 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 Frère et sœur, votre parole a puissance aussi. La manière que vous parlez fait une différence dans la vie aussi. Amen. Si vous avez une bonne parole, amen, et si vous gardez un bon témoignage, amen, vous serez vainqueur. Amen. Amen. Mais si vous méditez les mauvaises choses, imaginez les mauvaises choses, vous allez détruire votre témoignage aussi. Amen. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques années, que j'ai pris la décision de faire le mieux possible, de ne pas entrer dans un ton négatif dans mes conversations. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, j'ai pu trouver des erreurs dans n'importe quelle personne. Amen. N'importe quelle situation. Je n'aime pas le Parti démocrate aux États-Unis. Je n'aime pas ça. Vous voyez? Le Parti démocrate, Obama est démocrate. Mais la semaine qui vient de couler, peut-être 15 jours, Obama a dit que toutes les écoles doivent accepter les garçons dans les toilettes des filles. Si les garçons sentent qu'il est une fille ce jour-là. Mais si la fille croit qu'elle est un garçon, elle peut aller chez les garçons aussi. Et dit, si vous ne faites pas cela, on va enlever votre argent pour étudier, pour soutenir l'école. Oh, je n'ai pas aimé ça, frère et sœur. Amen. Non. Un homme peut dire, mais j'aime ça comme une petite fille aujourd'hui. Mais je n'aime pas sa petite fille. Vous êtes un garçon. Mais je n'aime pas ça comme une petite fille aujourd'hui. Ça veut dire risquer votre vie de toucher à une fille qui appartient à Pasteur Richie. Amen. Amen. Parce que le Saint-Esprit va venir sur moi comme il est venu sur Samson. Amen. Pour déchirer le lion. Amen. J'espère qu'il va faire ça pour moi. Amen. J'espère que ça ne sera pas mon esprit normal. Amen. Mais c'est-à-dire que
que Frère et Sœur, j'entrais dans une conversation dimanche après-midi avec le pasteur lorsqu'on allait à l'église. Il commençait à me dire ce qu'il n'aimait pas avec la politique et il a fait le tour de moi. Et j'ai arrêté la conversation et j'ai dit, Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est miséricordieux, Dieu est bon avec moi, hallelujah. Et j'ai dit, je n'avais pas entré dans la conversation politique, j'avais glorifié le Seigneur dans cette conversation. Amen. Et lorsqu'on a dit cela, le ton, le sentiment dans la voiture a changé. Alléluia. Et lorsqu'on a dû arriver à l'église, un réveil est éclaté. Alléluia. Parfois, la conversation que vous dites dans votre voiture en venant à l'église vous donne un avance sur la bénédiction de Dieu dans le sanctuaire. Ou pour vos péchés aussi. Amen. Amen. Béni soit l'Éternel. Amen. Amen. Votre parole est importante. Vous devez savoir contrôler votre langue pour dire les bonnes choses et pas dire les mauvaises choses. Un, deux, deux, trois. Amen. Et je dis, vous devez contrôler votre langue pour ne pas dire des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Amen. Surtout devant vos enfants. Amen. Et surtout dans la maison. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont des chrétiens à l'église. Mais lorsque l'église est finie, je ne crois pas qu'ils sont tellement chrétiens. Amen. Amen. Mais là, Jacques nous a dit ces choses. Jacques chapitre 1er, s'il vous plaît. Jacques chapitre 1er. Amen. Jacques chapitre 1er, verset 26. Jacques chapitre 1er, verset 26. On est là? Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, vous voyez, c'est bride. Pas en anglais bride, c'est bride. Bride est un restreint que vous mettez dans la bouche du cheval pour que le cheval obéisse à votre ordre. Mais la Bible dit que vous devez mettre bride dans votre bouche. Afin que votre bouche ne dit pas toutes choses qu'il désire dire. Amen. Si quelqu'un croit être religieux, spirituel, tout spirituel, toutes les autres personnes, mais s'il ne tient pas la langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme ou cette femme, je dois dire aussi, est en vaine. Vous n'avez pas contrôlé les paroles qui sortent de votre bouche. Et vous ne pouvez pas contrôler cela. Votre religion est en vain. La Bible dit que vous vous trompez vous-même. Que vous n'êtes pas encore un chrétien, si vous voulez. Amen. Votre langue doit dire les choses à la gloire de Dieu. Vous pouvez dire alléluia. Vous devez trouver un moyen de remercier le Seigneur. Lorsque toutes les choses autour de toi est difficile. Amen. Amen. Mais si vous ne tenez pas votre langue en bride, si vous ne contrôlez pas votre langue, pas seulement devant le pasteur, hein, mais à la maison. Amen. À la maison, si vous avez ce que le pasteur Jeremy Van Loo a dit à Saint-Lucie, là, il faut à son église. Et lorsque le frère était dans l'église, il était tellement gentil, tellement animé de zèle. Mais à la maison, dans la voiture, en quittant l'église, les enfants tremblaient parce que le papa était coloré. La Bible dit que cette personne est une personne religieuse, mais en fait, la parole de Dieu dit ça. La parole de Dieu est vraie. Amen. Même si vous n'aimez pas la parole de Dieu vraie. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Non, l'enfant de Dieu doit savoir contrôler sa langue sans dire la première bêtise qui est sortie de sa bouche. Non, 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 non. La langue peut détruire beaucoup de foyers. Savez-vous qu'il y a des hommes qui ne parlent pas tellement? Ils n'ont pas la parole facile.
Et je ne sais pas pour vous, mais ça, mais ces hommes se marient avec une femme qui n'a pas de limitation de vitesse. Elles savent qu'elle part à 180 à l'heure. Amen. Et là, le monsieur, il écoute, et il n'a pas même moyen de glisser une parole entre ses. Elle a de l'inspiration. Amen. Mais elle parle. Amen. 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 Parfois, il faut arrêter, non? Parfois, il faut arrêter un instant. Et le mot conversation, pour ces conversation, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas entrer dans une conversation sans avoir dit une chose. Par exemple, si je vous dis bonjour, vous allez dire bonjour. Si je vous dis comment ça va, vous devriez dire ça va bien et comment ça va. Vous voyez, ça c'est conversation. Mais parfois, au foyer, j'ai déjà imaginé, remarqué, entendu et parfois vu, amen, que les gens attendent avec impatience que l'autre personne ferme la bouche de retenir dire la bêtise qu'il est en train de dire, afin que l'autre personne puisse dire quelque chose d'intelligent. Amen. Et là, la dame ou l'homme qui imagine ces choses n'a pas compris le mot conversation. Amen. Mais là, il faut savoir contrôler votre langue. Et lorsque ça veut dire contrôler, amen, ça veut dire, amen, de dire ce qui est bien et pas dire ce qui est mauvais. Dire les choses qui vont édifier la foi en Dieu. Dire les choses qui vont encourager quelqu'un d'être un enfant de Dieu. Amen. Je veux dire que tout le monde peut dire les choses qui sont décourageantes. Amen. Et je ne sais pas pour vous, mais si vous dites toujours les choses décourageantes, vous allez retrouver. Vous n'aurez pas de succès dans votre vie spirituelle. Amen. Jusqu'à ce que vous appreniez comment dire les choses positives au sujet de Dieu. Amen. Amen. Parfois aux États-Unis, j'ai entendu des personnes qui disent ah, les choses qui n'est pas bon, tout cela. Et les choses qui n'est pas bon, tout cela. Mais un jour est venu à notre assemblée à Fort-de-France, un pasteur qui parlait différemment. Il a dit la chose qui est belle avec tout cela. La chose qui est bénie avec tout cela. Et je n'ai pas besoin de vous dire qu'un dimanche là-bas, amen, à Capitaine Emmanuel, 10 personnes ont reçu le Saint-Esprit. Un dimanche lorsqu'il priait pour eux. Alléluia. Alors pourquoi? Parce qu'il a entouré sa vie avec le remerciement envers Dieu. Amen. Sa parole était puissante lorsqu'il prêchait. Amen. Parce que les gens ont, amen, compris la puissance de sa parole. Amen. Et aussi, sa parole était forte et bien. Amen. Lorsqu'il parlait avec. Il parlait au sujet de sa femme. Hein? Lorsqu'il parlait au sujet de sa femme, il parlait avec beaucoup de tendresse au sujet de sa femme. Ah, pas avec sa femme, toujours, je ne sais pas. Mais lorsqu'il était en solitaire, mais il savait dire les choses devant les autres personnes pour rassurer qu'il voyait la valeur de sa femme. On parle de la puissance de la parole ce soir. On parle de la puissance de la parole ce soir. Cet homme a donné une puissance avec sa parole à sa femme. Alléluia. Pour dire, amen, qu'elle était bien, qu'elle était de valeur, qu'elle avait une assurance qui venait avec cette conversation. Aussi, les gens de cette assemblée savaient dire les choses comme cela devant les autres sujets que leurs femmes. Ça sera une bonne chose. Amen. Et si les femmes de cette assemblée savaient dire les choses agréables et bons au sujet de leur mari, devant les autres et à leur mari aussi, oh, ça sera une chose puissante. Alléluia. La puissance de la parole de Dieu, mais la puissance de la parole de chrétien aussi. Alléluia. Amen. Tu lèves les mains et dis, Seigneur Jésus, bénis-moi. Seigneur Jésus, alléluia, que je puisse contrôler ma langue. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Que je puisse contrôler ma langue à la gloire de Dieu. Amen. Alléluia, alléluia. Le plus sauvage animal qui existe sur la terre n'est pas un lion, n'est pas un éléphant, n'est pas un hippopotame. Le plus méchant de tous les animaux n'est pas un baleine. Ni au Parana, amen. Et c'est la langue dans votre bouche. Ça, c'est la bête qui est difficile à contrôler. Amen. La langue dans votre bouche est une bête difficile à contrôler.
Amen. Regarde avec moi Jacques chapitre 3. Tout le monde a leurs ailes sur leurs étoiles maintenant. Parce que je suis là, je suis là. Non, mais je ne suis pas encore là. Je ne suis pas encore là. Mais parce que je vois que les autres personnes ont besoin de ça, parce que moi, vous devez regarder dans le miroir d'abord. La Bible dit, regardez-vous vous-même. Alléluia. Et peu vous pouvez regarder l'autre lorsque vous avez enlevé le poutre qui est dans votre poing. Vous pouvez à ce moment-là peut-être voir le mythe de poussière qui est dans l'œil de ton prochain. Il a grandi entre poutre et le mythe de poussière. Amen. Regardez avec moi Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3. Mes frères, qu'il n'y a pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Ah, ça c'est pas facile d'être prédicateur, frère et sœur. Amen. Tout le monde vous juge plus sévèrement. Nous penchons tous de plusieurs manières. Même le pasteur Richard a besoin de vanter un dictionnaire à lui. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Amen. Si vous pouvez contrôler votre langue, vous pouvez contrôler le reste de votre corps. Ça, c'est ce que je vois ici. Mais si nous mettons à mort dans la bouche d'un écheveau pour qu'il nous obéisse et nous dirige, pour que nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Avec une petite chose, contrôle la bouche. Amen. Voici même les navires qui sont si grands et qui est poussé par des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue qui est un petit membre, elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu pour embrasser toute une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde d'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, se souillant tout le corps. Et enflammant le corps de la vie, étant elle-même enflammée par la Géhenne. Géhenne, ça c'est l'enfer. Toute espèce de bêtes et d'oiseaux, des reptiles, des crocodiles par exemple, et des animaux marins, sont doptés et ont été doptés par la nature humaine. Mais la langue, ordonnant pour le dompter, c'est une mal qu'on ne peut remplir. Elle est pleine de venin mortel. Ça, c'est comme un serpent. Ici, la Bible dit la langue est comme un serpent. Il ne faut pas tellement de paroles, tellement de venin ou poison de serpent pour tuer quelqu'un. Amen. Mais la parole que vous dites à votre fille, à votre famille, à vos autres, est une bénédiction ou une malédiction. Ça doit être bénédiction, frère et sœur. Amen. Pouvez-vous dire alléluia? Amen. Continuez. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père. Et par elle, nous maudissons les hommes faits par l'image de Dieu. Oh, béni soit l'Éternel. Oh, le Seigneur est grand. Et je n'ai pas dit les mots qu'ils disent parce que je ne voulais pas tellement ingérer en français. Comme les gens disent, on ne pouvait pas être fâché en français. J'entends tout ça. Hein? Pour être fâché, il faut parler cruel. Hein? Mais ça, c'est grand. Hein? Oui, ça, c'est pas ce que c'est très bien. Sans que les Français peuvent. Mettre au bout s'énerver en français, mais les Martins qui préfèrent s'énerver en croyant. Ça, c'est ce que je remarque. Mais quand même, c'est la même langue, Fraser. La même langue qui blesse les hommes. C'est la langue bénie le Seigneur tout à l'heure. Oh, béni soit l'Éternel. Lorsque vous êtes en voiture. Ah!
Amen. Lorsque c'est bien avec les yeux, l'eau même bougez pour vous. Amen. Ah, ça, c'est les catholiques. Oh, l'église pentecôtiste, on n'a même pas les bougies sur la tête. Mais là, la langue est difficile pour nous, les pentecôtistes, à contrôler. Amen. Amen. Tout le monde dit alléluia. Alléluia. Amen. De même, bouche sort la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Amen. La source fait-il jaillir de la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère? Non, non, non. La bouche du chrétien doit être une source de bénédiction, pas une source de malédiction. Même si vous êtes énervé avec quelqu'un, il vaut mieux dire rien. Lorsque vous êtes énervé avec quelqu'un, commencez à dire: oh, béni soit l'Éternel. Merci Jésus. Merci Jésus, que tu m'as béni. Alléluia. Commence à prier dans votre esprit. Commence à penser que vous êtes béni. Amen. 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 Là, il y a quelqu'un qui disait, lorsqu'on lui a montré, lorsqu'il conduisait la voiture, on montrait lui, parfois les autres conducteurs, on lui montrait un certain doigt. Et là, lorsqu'on lui a fait ce geste de montrer un certain doigt, le feu faisait. Et la personne qui faisait le geste de montrer le doigt. Qu'est-ce que c'est, cet homme-là? Il a quelque chose dans la tête, c'est pour cela qu'elle a conduit comme ça. Complètement désarmé l'autre personne qui était agressive. En réponse douce, calme la fureur. Amen. Et lorsque vous dites réponse douce, c'est pas dit. Ça, c'est pas une réponse douce. Même si la voix n'est pas grande, c'est pas douce. Là, les petites pistules de salive sortent de votre bouche. Ça va devenir blanc comme des crotons. C'est pas comme ça qu'il faut parler en fond de Dieu. Amen. Pouvez-vous dire alléluia? Oh, amen. Et la même chose, lorsque quelqu'un est en souffrance, souvent c'est la langue qui détruit la personne. Lorsque quelqu'un est en souffrance, il ne faut pas dire: j'ai cru que ça serait au moins cela, même pire. Parce que je te connais, hein? Tu mérites ça et plus. C'est parce que tu as péché que tu es comme ça. Hein? Tu n'as pas considéré ça. Tu dois répondre de tes péchés. Ce n'est pas la parole à dire quelqu'un en souffrance. La parole à dire quelqu'un en souffrance est plutôt comme ceci: je regrette que vous souffrez. Et avec un frère, vous êtes tous des chrétiens, peut-être. On fait un effort, n'est-ce pas vrai? Alléluia. Mais vous devez savoir comment dire des choses qui sont encourageantes de temps à l'autre. Amen. Pas seulement les choses décourageantes, mais encourageantes. Amen. Alors, s'il est nécessaire, écrivez ça sur un morceau de papier. Et faites un effort à mémoriser. Parce que quelqu'un est malade, vous pouvez dire: oh, ma soeur, je regrette de voir que vous êtes malade comme cela. Amen. Je sais que vous êtes dans la souffrance et pas agréable d'être malade. Amen. Et Jésus, je vais prier pour toi. Amen. Parce que tu es une bonne personne. Amen. N'est-ce pas vrai? Et Jésus t'aime. Ça, c'est plus de dire. Ça, c'est plus encourageant de dire: mais je sais pourquoi tu es comme ça. C'est parce que tu as couché avec ton voisin. Ça, c'est de maladie qui se traite comme ça que tu as. Mais ne sais-tu pas ça? Et ce n'est pas à nous à juger les choses. Ce n'est pas à nous à juger les choses pour venir pour dire alléluia. Alléluia. Pas à nous à juger les choses. C'est, vous n'êtes pas juge, hein? Vous n'êtes pas juge. Hein? Il y a un seul juge. Alléluia. Et il me fait trembler parfois. Alléluia. Amen. 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 Non, la plus méchante de toutes les bêtes, la plus indomptable, difficile à adopter, c'est la lampe. La lampe, c'est comme une allumette.
Amen. Au milieu d'un bidon de gaz, une essence, cette allumette pour prendre flamme, pour exciter la situation, pour détruire la situation. On est là? Amen. Ça fait pas longtemps que je prêche, hein? Amen. Ça fait longtemps que je n'ai pas prêché ici. J'ai beaucoup de messages qui sont à moi, mais je ne vais pas donner un chute ce soir. Hein? Amen. Non, vous devez faire un effort de dire les choses positives. Surtout aux jeunes qui sont dans votre foyer. Amen. Surtout aux jeunes qui sont près de vous. Vous pouvez dire, ah, mais ils ne méritent pas ça. Mais vous ne méritez presque moins. Et Dieu vous a fait grâce. N'est-ce pas vrai? Amen. Vous ne méritez pas. Amen. Mais... Amen. Et là, il y avait un serveur aux États-Unis qui était vraiment mauvaise serveur. Elle était mauvaise serveur. Elle n'a pas servi bien les repas pour le pasteur et l'autre prédicateur qui était là. Et à ce moment-là, le repas coûtait environ 5 US. Tout le repas pour les deux personnes. Et là, aux États-Unis, il faut donner un pourboire d'au moins 10%, 15%. Le pourboire, le montant de facture, quoi, 10%, 15%. Et là, ce pasteur donnait 100% environ. La facture était 5 US, il ajoutait 5 US au poids. La dame regardait le pasteur et regardait le 5 US. Et le pasteur parlait comme ça. J'étais une mauvaise personne. Et Dieu m'a fait deux pieds. Ce soir, vous n'étiez pas un bon serveur. Et je t'ai fait bien. Et la personne était touchée. La serveur était touchée. Frère et soeur, parfois, une bonne action envers quelqu'un qui n'est pas digne pour encourager la personne à marcher avec Jésus. Pouvez-vous dire Alléluia? Encore Alléluia. Si vraiment votre bouche est toujours en train de parler, dire les choses qui ne sont pas correctes. Amen. Vous devez regarder que ce n'est pas simplement un problème de bouche. Et le problème est plus profond que la bouche. Regarde ce que Jésus dit en Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12. Verset 34. Est-ce que j'ai bien pris la place? Oui, c'est verset 12. Amen. Mais ça commence avec le mot car. Amen. Il dit, race des vipères, comment pourriez-vous dire les bonnes choses méchantes que vous l'êtes? Ok, on est là? Amen. Car c'est d'abondance de cœur que la bouche parle. L'homme de bon tire les bonnes choses de son beau trésor. Et l'homme méchant tire les mauvaises choses de son mauvais trésor. Amen. Ici, voici frère et soeur. Et Jésus disait, et si vous avez amertume dans votre cœur, si vous avez mauvaises choses dans votre cœur, c'est normal que votre bouche va dire les choses mauvaises. Mais si vous avez un cœur transformé par la puissance de Dieu, votre cœur doit parler différent. Votre langue doit parler différent. Pouvez-vous dire Alléluia? Alléluia. Amen. Tout le monde peut voir les erreurs dans toutes les personnes, mais ce n'est pas à voir. Oubliez bien haut ces choses. Amen. C'est plutôt à vous dire ce qui est agréable à Dieu. Amen. Tout le monde dit Amen. Amen. Ok. Je vais progresser légèrement dans cette étude. Je vais changer de vitesse. On a parlé de la puissance de la parole de Dieu. On a parlé que vos paroles ont une puissance aussi envers votre mari, envers vos enfants. Si vous ne croyez pas cela, vous devrez lire mon journal. Parce que j'ai fait un journal. Hein? Jour après jour, j'ai pris des notes. Un jour, j'ai pris. Quelqu'un m'a dit un compliment aujourd'hui. Moi, j'ai mis ça dans mon journal. Quelqu'un m'a dit un compliment aujourd'hui. Un compliment. C'était quelque chose qui m'a touché. Hein? Je suis content que vous avez chanté. Joyeux anniversaire pour moi. Hein? Amen.
Happy birthday, Corvo. Amen. Happy birthday to you. Amen. J'ai vu ça sur le Facebook. C'était vraiment bien. Amen. Mais frère et soeur, vos paroles ont de puissance aussi. Mais parfois, si vous avez l'habitude de dire de mauvaises paroles, c'est parce que votre cœur a besoin de purification. Amen. Pouvez-vous dire amen? Amen. Ok. Le cœur a besoin de purification. Alors, on doit éviter les choses qui mettent des mauvaises choses dans votre bouche. Si, par exemple, vous regardez la télé, et vous regardez la télé, souvent sur la télé, il y a des mauvaises paroles. Si vous regardez des films, souvent sur le film, il y a des mauvaises paroles. Et ces mauvaises paroles ont tendance de rester gravées dans votre tête. Alors, comment pouvez-vous mettre des mauvaises paroles dans votre bouche et votre tête et ça descend dans vos oreilles? Ces mauvaises paroles, mauvaises paroles. La plupart des choses de Hollywood et les autres films sont des choses négatives, frère et soeur. Ils ne parlent pas des choses à la gloire de Dieu. Amen. Ils ne sont pas saines pour la vie spirituelle. Et vous demandez pourquoi vous ne pouvez pas progresser dans votre vie spirituelle. Vous remplissez votre tête avec toutes ces choses. Elle est difficile à progresser. Amen. Amen. Parfois, vous êtes découragé. Pourquoi vous êtes découragé? Parce que vous avez rempli votre tête avec des choses de Hollywood, avec le cinéma, avec des choses qui vous détruisent la vie spirituelle. Amen. Pas beaucoup d'amen, mais ça c'est vrai. Amen. Même certaines chansons aussi avaient détruit la vie spirituelle. Amen. Amen. Il reste gravé, n'est-ce pas vrai? Amen. Amen. Avant que je pouvais dire quelques mots au cœur, j'ai entendu et ça reste gravé à moi. Amen. Je place au médicament en unis. Amen. 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 Il avait besoin de quelqu'un d'expliquer qu'est-ce que c'est que ça voulait dire. Mais là, les paroles de ce place, comme on nous dit, étaient remplies de Martinique. Hein? Ça a rempli la Martinique. Tout le monde à la Martinique connaissait cette phrase. Et ce que j'ai compris, que c'était. Si vous pouvez me corriger si vous voulez, parce que je ne suis pas professionnel dans ces choses. Mais ce que j'avais compris avec cela, lorsque j'étais malade. Ils voulaient faire la fête quand même. Le seul moyen qu'ils avaient pour se guérir, c'était le zouk. Peut-être c'est ça. Je ne sais pas si c'est ça. Mais là, ils chantaient moi malade. Ça, c'est pourquoi j'ai cru qu'il était malade. Hein? Et puis, ils se placent. On est comme un pour malade là. Amen. Ah, je ne sais pas si ça, c'est bien signification. Vous pouvez venir poser après si vous voulez. Amen. Mais je sais que les paroles du monde pour rester gravées dans votre mémoire qui pour détruire votre vie spirituelle. Amen. Amen. Attention aux oreilles, ce que vous entendez. Amen. Je fais un effort d'écouter longtemps la parole de Dieu chaque jour. En espagnol, je voyais espagnol hier, j'ai écouté peut-être 20 chapitres en Genèse. Je ne comprends pas l'espagnol bien, mais j'ai compris de temps à l'autre ici, de temps à l'autre là. J'ai compris, amen. Mais je savais que c'était la parole de Dieu. Je préfère remplir ma tête avec quelque chose spirituel. Amen. Quelque chose encourageant. Quelque chose qui peut nous aider dans la vie spirituelle. Parce que pour moi, j'ai déjà un problème dans la vie spirituelle. J'ai un problème jusqu'à. Est-ce que vous connaissez, j'ai 65 ans, hein? 65 ans, moi. Amen. Mais, ok. 65 ans. Ça ne se voit pas, mais j'avais besoin de vous dire ça. Mais lorsque j'étais jeune, j'étais adolescent, je faisais 100 abdos sans arrêter, comme rien. Il y a 10 jours, j'ai fait 100 abdos sans arrêter. Comme j'ai pensé lorsque j'étais adolescent. That's good. J'ai dit, béni soit l'Éternel pour ça. Amen. Je suis content pour ça. Amen. Mais ce n'était pas sans douleur. Amen. Amen. Frère et sœur, il faut savoir contrôler la langue et remplir votre tête. Si vous voulez contrôler votre langue, remplir votre tête avec ce qui est bon, ce qui est agréable.
ce qui est favorable, ce qui est de, que vous ne pouvez pas trouver. Je parlais de cinéma, je parlais de des chansons, mais je pensais qu'on parlait de téléphone. Le téléphone, parfois, il y a des choses qui sont comme téléphone, auparavant, c'était attaché à un auto. Et vous allez vers cette boîte de téléphone, vous téléphonez, et ce n'est pas tellement ces choses. Maintenant, tout le monde marche avec le téléphone en poche. Amen. Et là, si vous consultez la Bible, quand vous consultez le téléphone, tout le monde sera spirituel. Alléluia. Amen. Si, mais là, le téléphone, il y a moins de...